Dans sa cuisine, Jacques est seul comme à chaque service. Pas de commis, pas de plongeur. Les plats s'enchaînent et il doit tout gérer. Ce n'est pas faute d'avoir cherché du personnel. En vain. Moi-même, j'ai répondu à des annonces et dans la foulée, il fallait se présenter. Et si on ne se présentait pas rapidement, la place allait nous passer sous le nez. Maintenant, vous passez une annonce, vous attendez. Quoi. Vaut mieux maintenant travailler par relation, et ça se fait beaucoup, hein, que passer une annonce, parce que de toute façon, il n'y aura pas de retour. Un constat que dressent beaucoup de restaurateurs et d'hôteliers de la région. La saison démarre dans quelques semaines, et pour certains, l'équipe n'est pas encore au complet. Pourtant, en cherchant sur Internet, les annonces de recrutement ne manquent pas. Plus de 70 rien que sur ce site. Alors, qu'est-ce qui freine les demandeurs d'emploi? Pourquoi ce secteur d'activité est-il délaissé? Pour les syndicats, c'est l'incompréhension. C'est des métiers encore qui payent bien. Parce que avec peu de qualifications, on arrive à avoir des salaires relativement confortables aujourd'hui. En plus, on est nourri, en plus, on a des pourboires, etc. etc. Mais aujourd'hui, on n'a plus de public pour ça. Un problème récurrent en Corse. Sur les 20 000 offres d'emploi, seules 6 000 sont pourvues. Pôle emploi tente donc d'attirer un nouveau public vers ce secteur. Une secrétaire, par exemple, qui a une expérience de secrétaire commerciale, si a fortiori elle a en plus la maîtrise d'une ou deux langues étrangères, il y a des transferts de compétences aisément réalisables vers des métiers de réceptionniste, avec bien évidemment un accompagnement en formation, mais ça, Pôle emploi, on sait faire. Des journées de découverte et des aides à la formation sont proposées, avec un seul objectif, aider les professionnels à embaucher et redonner du travail aux 23 000 chômeurs de la région.